On a eu droit à tout dans ce match de Coupe de la Ligue, des buts, des cartons rouges et des tirs au but. Tout commence à la 37e minute, le TFC d'Alain Giresz, décidément intraitable ces dernières semaines, ouvre le score par son capitaine Thierry Moreau avec une frappe qui ressemble étrangement aux frappes de Roberto Carlos. La deuxième période est folle dans tous les sens du terme. Pabio reçoit un deuxième carton jaune pour cette faute sur Frédéric Mérieux. Donc Monsieur Bray le transforme fort logiquement en carton rouge. Et voici les Toulousains réduits à 10 contre 11. Et ce, pour toute la fin de la deuxième période. Mais à 10 contre 11, Toulouse trouve des ressources nécessaires pour marquer un deuxième but et quasiment s'assurer la qualification sur le terrain de Metz. C'est encore son capitaine Thierry Moreau qui, dans un angle incroyable, place son coup franc dans le but. Lionel Letizy avait déjà anticipé un centre toulousain. La révolte messine intervient et elle est lancée surtout par le capitaine Sylvain Castaneuch qui adresse un centre au cordeau pour Jeschkovic qui venait de rentrer 7 minutes auparavant. Sa reprise de volée bat Teddy Richer. La rencontre est hachée par de nombreux coups francs. Cela tombe dans des incidents, dans des altercations et dans d'autres cartons jaunes. Carton rouge pour Toy, carton rouge pour Jeschkovic, pour un geste peu intelligent, ce coup de pied dans le tibia de Diatta. Il est vrai que lors de la match de championnat entre Toulouse et Metz au Stadium, les deux équipes avaient passé des moments difficiles sur la pelouse. Il y avait un contentieux, contentieux qui se confirme quelques minutes plus tard avec Cobos qui va également de son tacle dangereux. Il expulse Strasser de façon très irrégulière hors du terrain. Cobos est expulsé. On joue donc la rencontre à 9 contre 9. Et ce rééquilibrage numérique va être favorable au Football Club de Metz. Coup franc de Castaneuch. Ballon mal dégagé par la défense toulousaine. Diatta remet le ballon dans les pieds de Jeff Strasser. Le Luxembourgeois bat Teddy Richer. C'est l'égalisation. L'égalisation signée Gaillot. Diatta qui manque complètement sa relance et Gaillot qui arrache l'égalisation à 3 minutes de la fin de la rencontre. La prolongation avec cette fois-ci Jeff Strasser. C'est encore un mauvais dégagement et il reprend le ballon de volée. Il le place dans le but de Teddy Richer. 3 buts à 2. Le FC Metz a renversé la situation en sa faveur après avoir été mené 2 à 0. Mais les hommes de Joël Muller vont conserver cet avantage très peu de temps, seulement 4 minutes. On vient de reprendre la deuxième période de la prolongation. Superbe ouverture signée Battles et reprise de Petrovic. Vietnizi est battu, 3 buts partout. Et c'est finalement lors d'une épreuve de tir au but que Metz va arracher sa qualification. Les deux équipes sont à 2 buts partout. Quand Sylvain Castaneuch, dernier tireur messin désigné par Joël Muller, va battre Teddy Richer. A noter que dans cette séance de tir au but, Lionel Letizy a arrêté 3 tirs toulousains.